indirect, nous allons simplement donner une réponse directe à Pierre Ngolo. Qui est Pierre Ngolo, qui est secrétaire général du Parti contre le travail. Mais le Parti contre le travail, c'est simplement un parti nazi, hein, un parti qui complote, un parti qui a pillé le Congo-Brazzaville, voyez, un parti qui a commis des crimes de guerre, des violations graves des droits de l'homme, un parti de répression qui est piloté par un despote, par un criminel qui s'était usurpé hein, le pouvoir du peuple. Et donc nous allons donner une réponse à Pierre Ngolo, qui est le secrétaire général de ce parti. Mais avant que... Et puis nous allons rapidement parler... Bon, nous allons mixer, hein, nous allons parler un peu du FMI. Bon, tout dernièrement, nous voulons attirer l'attention d'un certain nombre de fils d'Afrique. Hein. Nous voulons ici parler de Samuel Eto'o, qui est un footballeur reconnu du point de vue mondial, qui est respecté par plusieurs pays, par plusieurs individus sur la planète. Déjà, moi, j'étais un fan hein, de le Samuel Eto'o, mais du moment où Samuel Eto'o supporte les despotes africains, les dictateurs africains, ceux-là qui commettent les violations graves des droits de l'homme, ceux-là qui pillent les économies, ceux-là qui simplement font reculer l'Afrique, hein, j'ai arrêté de supporter Samuel Eto'o. Bon, nous osons croire qu'il y a plusieurs Africains hein, qui vont comprendre notre message, pourquoi nous allons arrêter de supporter Samuel Eto'o. Il faut le dire que Samuel Eto'o a eu cette chance, il a du talent du football, mais malheureusement, par des affinités liées à des pratiques, des confréries, hein, il s'est simplement décidé de rester du côté des dictateurs, du côté des despotes. Bon, nous savons, hein, avant l'élection du Cameroun, l'élection présidentielle du Cameroun, Samuel Eto'o a apporté son soutien à Paul Biya. Bon, là encore, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais nous voulons dire à Samuel Eto'o, quand tu mets ton nez dans les affaires du Congo-Brazzaville, tu vas nous rencontrer sur notre chemin. Tu peux être le plus multimilliardaire du monde entier. On s'en fout éperdument de ton argent. On s'en fout éperdument de ton titre. Allez-y dire à Samuel Eto'o, du moment où tu mets ton nez dans les affaires du Congo-Brazzaville, puisque tu as trouvé là une possibilité de se taper de l'argent derrière les despotes, en supportant les despotes, alors là, tu vas nous rencontrer, nous, les jeunes pauvres africains, mais qui ont une mentalité, qui ont un cerveau bien bâti. Hein? Ce n'est pas parce que vous aviez du talent dans le football que vous êtes intelligent. Parce qu'un homme intelligent, et qui a du talent, hein, il y a des grandes stars de football qui ont du talent, qui ont refusé de supporter la dictature. Nous prenons l'exemple de Didier Drogba. Hein? Didier Drogba a du talent, mais on n'a pas vu Didier Drogba dans la politique. Nous voyons des jeunes qui ont du talent comme Yaya Touré, hein, même Kolo Touré, son frère. On ne les a pas vus mettre leur nez dans la politique. Ils sont apolitiques, vous voyez. Mais du moment où tu as accepté de fourrer ton nez, ça montre que tu n'es pas riche. Hein, Samuel Eto'o, allez-y lui dire ça. Ça montre que tu n'es pas riche, ça montre que ta richesse, certes que tu as eu un peu de moyens dans le football, mais tu tires le profit de ta richesse dans... le support que tu donnes aux despotes africains. Il faut le dire que pourquoi nous sommes en train de parler de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quand Sassou est parti en Russie, le fiasco qu'il a subi en Russie, et il est venu à Milan. Il est venu à Milan. Et donc, Samuel Eto'o est allé faire le pied de grue à l'hôtel là où était Sassou. Vous voyez, il y a des photos qui circulaient. J'avais reçu cette photo. Malheureusement, la maladresse que j'ai eu à faire, c'est que je pensais que je pouvais, puisque c'est un lien qui m'a été envoyé, je pensais que je pouvais toutefois aller regarder. Mais l'individu, ce lien, l'individu qui avait posté cette photo, me semble qu'il a reçu des menaces. Il l'a effacé sur son mur. Samuel Eto'o est allé faire le pied de grue. Il est allé visiter Sassou Nguesso quand il est arrivé à Milan. Hein, à son retour... le fiasco qu'il a subi en Moscou, le voyage qu'il est parti le 21. Vous voyez, chers amis. Samuel Eto'o était là à Moscou. Il y a eu des jeunes du PCT qui vivent à Milan, qui étaient là, qui se sont fait des photos avec Samuel Eto'o à Milan. Il est allé voir Sassou à Milan. Vous voyez, ça montre un peu... Ngolo a une boîte de nuit et un hôtel à Mongali, que le Congolais le sache. Bon, mais nous allons venir sur l'affaire de Pierre Ngolo tout à l'heure et nous allons donner votre information. L'information vient de notre compatriote Victor Matondo qui nous donne cette information. Donc nous voulons ici attirer l'attention de Samuel Eto'o. Oui, nous comprenons que quand on est pauvre hein, et on devient riche, hein,
Les séquelles de la pauvreté demeurent toujours, et c'est le cas de Samuel Eto'o, fils de pauvre, un enfant de la rue qui a grandi dans la saleté, dans la souffrance, qui est devenu riche. Malheureusement, il y a des enfants pauvres qui se sont saisis, hein, de leur profondeur, de la richesse, et ils se sont adaptés. Mais le cas de Samuel Eto'o, il faut dire, Samuel Eto'o demeure une pourriture. Hein, c'est ça la réalité. Allez-je le dire, du moment où il supporte celui-là qui commet des crimes de guerre au Congo, qui a massacré le peuple congolais, Samuel Eto'o nous rencontrera sur son chemin. C'est ça qui est la vérité. Donc vous voyez que Samuel Eto'o tire son profit en supportant les dictateurs. Le voilà parti à Milan, aller regarder Sassou, aller visiter Sassou à son hôtel. Il est allé faire le pied de grue, attendant Sassou que Sassou vienne lui donner encore des millions de promesses. Et c'est cela, hein, c'est cela qui est la vérité. Donc, et vous avez aussi vu Samuel Eto'o accompagné de cette délégation, on nous dit, de la Coupe d'Afrique des Nations, aller à Kinshasa, aller encore faire le pied de grue au nouveau président de la République démocratique du Congo, et qui Étienne Tshisekedi. Vous voyez que ce rapprochement envers les chefs d'État africains, c'est cela qui fait vivre Samuel Eto'o. C'est ça qui est la réalité. Mais il faut dire que c'est un homme qui a très mal géré sa richesse. Hein? Et donc il compte sur l'appui des despotes et qui tire l'argent des contribuables de leurs États pour donner aux gens comme des Samuel Eto'o, et c'est ces gens qui continuent à supporter la dictature. Il faut dire, Samuel Eto'o, on l'a vu aller visiter Sassou à Milan. Hein? Des photos étaient là, la personne a enlevé de son mur. Nous, on était là, j'essaie d'aller regarder là pour encore aller prendre ces photos, mais la personne a viré parce que la personne a eu des menaces. Samuel Eto'o était là, il est allé visiter Sassou. Et c'est une honte pour un fils d'Afrique qui est arrivé à un talent aussi élevé, à un niveau aussi élevé comme Samuel Eto'o. Il faut le dire que c'est un pauvre type. Il faut le dire que oui, tu es bon dans le football, mais tu es vide dans ta tête. C'est ce que nous voulons dire à Samuel Eto'o. Voilà. Dans les jours qui vont suivre, certainement vous allez voir dans les 2 semaines, Sassou risque de repartir à Milan pour des vacances. Ça, c'est le biais vitré vous le donne, au moins qu'il change hein, de programme. Parce qu'apparemment, quand il était à Milan, il est même allé visiter cette petite contrée qui se situe, on parle du lac Como. Lac Como. On peut dire que le lac Como, c'est le troisième grand lac d'Italie. Hein, le troisième grand lac d'Italie. La région. Le lac Como, est, on peut dire que est non loin de Milan. On peut dire 1 heure de Milan. Hein, c'est vers le nord de Milan, voyez. Et puis le lac Como et se situe dans la région de Lombardie en Italie. Hein, la région de Lombardie en Italie. Et ce qui est très important ici, c'est que Sassou est allé visiter ce lac Como. Hein, quand il était en Italie, parce qu'il est arrivé je crois vendredi et c'est dimanche qu'il a pris le vol pour repartir. Au Congo, après son voyage de Moscou, il est allé visiter ce lac-là. Donc, apparemment, Okemba, Jean-Dominique a dit il va falloir qu'il vienne en vacances parce qu'il y a tellement de problèmes, il faut que Sassou se repose. Donc, il risque de prendre 2 semaines de vacances pour venir à ce lac Como-là. Bon, il faut dire que cette région de lac Como, c'est un peu équivalent à Monaco, là où tous les grands riches, vous connaissez, hein, là où Sassou souvent passe ses vacances ou en Espagne, parce que c'est un milieu, allez-y, il y a des photos, mais j'ai pas envie de faire passer le temps. Allez-y, Google, là, comment vous allez voir un peu comment est la géographie. Il y a que des blancs qui vivent là-bas, donc Sassou veut aller là-bas parce que il veut certainement pas se faire attirer des foudres, comme aujourd'hui le nouveau partenariat, c'est l'Église catholique, c'est le Vatican, et donc les Italiens lui donnent cette couverture, il veut aller en vacances là-bas pendant 2 semaines. Donc c'est sûr que dans les 2 ou 3 semaines, au moins ce qu'il change le programme, il risque d'aller là-bas. Une autre chose, c'est que on nous fait état on nous parle de son état de santé. L'homme est vraiment dans un état dégradé de santé. Hein? Les médecins blancs qui sont avec lui, ils sont là, consignés 24 heures sur 24, ce qu'on nous fait, on nous apprend. Voilà. Bon, parlons de Pierre Ngolo. Bon, nous savons tous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, Pierre Ngolo essaie de rassurer les troupes au sein du PCT, lui-même étant en porte-à-faux avec le fils de Sassou, ce fils qui a pillé l'argent du Congo, qui le rencontrera d'ailleurs sur son chemin, Pierre Ngolo essaie de rallier les troupes du Parti du Travail. Premièrement, faisons semblant de ce que nous appelons ici d'un congrès,
exigeant les membres du parti qu'on ait le travail, le bureau du comité central, de payer des frais, minimum 500 000 francs CFA. Et Pierre Ngolo essaie de rassurer les troupes. Pierre Ngolo continue de s'aligner derrière Sassou Nguesso, le support. Mais ce que vous devez savoir de ce Pierre Ngolo-là, j'ai connu l'individu, hein, chers amis. Nous avons vécu au CH, au plateau de 15 ans, à l'OCH, donc si vous êtes du côté du plateau de 15 ans à Brazzaville, vous traversez les rails, et sur l'autre quartier, si vous allez vers le CHU de Brazzaville, tout ce quartier, ça s'appelle l'OCH. Et donc Pierre Ngolo vivait là-dedans. Bon, il faut le dire que Pierre Ngolo vivait derrière là où nous avons vécu, derrière là où nous avons vécu. Bon, j'ai connu Pierre Ngolo parce qu'il venait jouer au jeu qu'on appelait le Ngolo, hein, jeu de billes. Hein. Il venait chez nous, à l'OCH. Pierre Ngolo doit savoir. Il venait chez nous, à l'OCH. Il jouait le jeu chez nous, à l'OCH. Pierre Ngolo travaillait, je crois, aux impôts ou au budget. Donc, il galérait. Hein, il galérait. Hein, vous voyez, il a vécu là. Donc, tous les jours, il était là. Hein, il était là. Mais nous n'avons pas connu ce Pierre Ngolo gonflé. Hein. Il était un Pierre Ngolo sympa, un Pierre Ngolo qui vivait dans la galère, dans la difficulté. Quand Sassou est revenu par un coup d'état militaire en 1997, c'est là où nous commençons à voir la force, la puissance de Pierre Ngolo récupérée par le parti. Je voulais dire ici à Pierre Ngolo, c'est certain, moi tu ne me connais pas, mais tu dois me connaître quand je vais te parler de ton ami. Je ne veux pas parler de tous les amis, mais je veux parler d'un ami qui est aussi un proche du parti comme le travail, qui avait été envoyé au Gabon comme attaché à l'ambassade du Congo au Gabon par Sassou Denis. Il s'appelle Moigna ou Moigny. Il a vécu avec nous à l'OCH. Donc tu nous connais très bien. Je connais bien tes enfants, je connais bien ta femme, je connais bien tes familles. Tu étais un gars sympa, mais comme tu as été récupéré par le régime Sassou, tu deviens en réalité un homme gonflé. Vous voyez comment quand Pierre Ngolo parle, il parle avec arrogance, gonflé. Il parle comme si c'était un homme puissant et fort. Il est puissant parce qu'il est avec un despote, hein, un homme qui utilise la répression, qui utilise les armes comme moyen de subsistance du pouvoir. Pierre Ngolo parle gonflé parce qu'il a volé l'argent du Congo, il détient des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. Pierre Ngolo parle avec arrogance, gonflé, en arguant le peuple congolais, parce que Pierre Ngolo sait qu'il détient des multimilliards de l'argent du contribuable congolais dans ses bunkers personnels, dans sa maison, dans toutes les maisons, il a toutes ses copines au niveau du Congo, et aussi dans les tombes personnelles qu'il a construites et dans son village. Il faut le dire que Pierre Ngolo nargue le peuple, c'est très bien, hein, comme d'ailleurs que tu es venu le dire dans une vidéo, il faut conserver l'initiative, c'est-à-dire le pouvoir par tous les moyens, parce que tu ne peux pas survivre sans pourtant que tu puisses être membre de ce pouvoir. Tu l'as dit d'une manière simple. Donc ça veut seulement dire que tu rassures le troupe de parti qu'on le travaille en conservant le pouvoir par tous les moyens, c'est-à-dire la fraude, la corruption, les assassinats, le pillage. Et c'est cela que tu es en train de préparer au sein du parti qu'on le travaille. Bon, nous comprenons vos petits problèmes internes avec Denis Christel. Nous comprenons que c'est une lutte, hein, de la succession qui est là. Mais nous, en tant que peuple congolais, on s'en fout éperdument du parti qu'on le travaille parce que c'est un parti nazi qui a pillé, qui a fait reculer le Congo de plus de 100 ans en arrière. Un parti qui a eu toutes les opportunités nécessaires pour faire avancer le pays, mais qui a échoué. Il faut le dire que c'est parce qu'il y a eu des gens comme de Pierre Ngolo. Bon, nous allons essayer de voir si nous aurons la chance d'écouter. Pendant que Pierre Ngolo continue à croire à Sassou Nguesso, hein, c'est-à-dire que pour eux, le parti qu'on les travaille n'a pas un autre candidat. Hein. C'est un parti qui a concentré toute son énergie sur la personnalité de Sassou Denis. Un homme qui a échoué dans tout son plan. Un chronique paresseux national qui a eu la chance, hein, de pouvoir diriger le pays, qui a eu la chance, hein, de gérer toutes les richesses de ce pays, mais qui a brillamment, on répète, qui a brillamment échoué sur toute la ligne. Mais Pierre Ngolo continue à miser sa confiance parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul individu dans le parti qu'on le travaille qui peut leur garantir la fraude, qui peut leur garantir le pillage, qui peut leur garantir le vol, qui peut leur garantir les assassinats et la pérennisation de leur pouvoir. Et cet individu, c'est Sassou Denis. Voilà pourquoi tous ces gens
Ils sont obligés de se rattacher parce que Sassou, c'est un aveugle. Parce que lui-même, il est aveuglé par sa perdition en croyant au fétiche. Il est aveuglé par sa perdition en croyant qu'il est le dieu du Congo. Donc, éventuellement, les Pierre Ngolo sont obligés de s'accrocher à Sassou parce qu'on sait que Sassou leur garantit les finances, leur garantit le survie. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Parce qu'il faut lui dire que ces gens-là ne peuvent pas vivre de leur propre effort. Ils sont obligés de vivre dans le pillage et le vol. Et forcément, il faut s'accrocher à un homme qui est spécialiste de vol. Un homme qui est spécialiste de la fraude. Un homme qui est spécialiste de la destruction. C'est Sassou Nguesso. Nous allons écouter ce que Pierre Ngolo dit et ce que Sassou lui-même dit. Et nous allons voir là où est le problème. Donc, permettez-nous de voir si on aura la chance de jouer cette vidéo. Donc, je vais essayer de tourner la caméra. Et puis, vous allez essayer de voir. Ici, là-dessus, je vais essayer simplement de jouer cette vidéo. Vous allez écouter ce que Pierre Ngolo a dit lors de sa toute dernière conférence de presse qui vient de se passer la semaine dernière. Et vous allez écouter ce qu'il est en train de dire sur l'individu Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que pendant que le peuple congolais est en train de trouver des voies et moyens pour déboulonner ce criminel de grande envergure qui a brisé le Congo, qui a mené le Congo à la décadence, à la destruction complète, et vous aviez Sassou qui continue d'avoir des supports, des individus qui ne comptent que sur Sassou, parce qu'il faut le dire que le PCT ne peut jamais survivre sans Sassou, hein, c'est cela qui est la vérité. Et nous, nous sommes là pour leur rappeler cela. On va essayer de voir si on aura la chance de jouer cette vidéo, et nous allons écouter ce que Pierre Ngolo est en train de dire. J'ai l'impression que quand nous avons parlé du camarade président qui apporte du sourire, nous n'avons pas été compris. Il ne s'agit pas du sourire qu'il apporte au Parti congolais du travail. Bon, déjà vous entendez, il vous dit le camarade président qui apporte le sourire. Donc vous voyez, ça vous dit tout. Le camarade président qui apporte le sourire. De quel sourire parle-t-il? Le peuple congolais sait que ce Sassou apporte les pleurs, le deuil, le malheur, la souffrance du peuple, la souffrance du pays, même la souffrance de l'Afrique centrale d'une manière générale. C'est cela qui est la vérité. Mais Pierre Ngolo qui le dit, qu'il parle d'un camarade président qui apporte le sourire. Mais c'est quoi ce sourire? Éventuellement, c'est la fraude, la corruption, le pillage, éventuellement les assassinats, parce que sans les assassinats, ce parti ne peut pas subsister. Vous voyez que Pierre Ngolo continue de vénérer. Sassou, c'est l'homme qui apporte le sourire au sein de ce parti, au sein de cette classe politique, au sein de ce clan. Parce qu'il faut le dire que dans ce clan, il n'y a pas que le PCT, il y a aussi les alliés du PCT. Les alliés du PCT, vous voyez des Guy Parfait Colella, des Pascal Satimabiala, toute l'opposition qui est au Congo, comme les Charles comme les Boao, hein, tout ce monde, les Nzo Mathias, qui viennent jouer au grillon pour faire semblant de critiquer Sassou, mais ils vivent tous sous le régime Sassou. Donc vous voyez que Pierre Ngolo vous dit, le camarade président qui apporte le sourire, pas seulement le sourire dans le PCT, ça sort de Pierre Ngolo, mais vous comprenez de ce que nous sommes en train de dire, que tout ce monde ne vivent que de Sassou Nguesso, ne dépendent que de Sassou Nguesso. Souvenez-vous, nous avons dit des privilèges que Sassou Nguesso leur garantit. Hein, des privilèges, éventuellement parmi les privilèges, il y a des bourses scolaires qu'on donne à leurs enfants qui viennent étudier spécifiquement avec l'argent du contribuable congolais, des bourses sous la recommandation de Sassou, signée par Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu tous leurs enfants sont partout au Canada, en France, aux États-Unis, en train d'étudier dans des grandes écoles. Malheureusement, ils échouent tous parce que dans ces écoles-là, ça demande des enfants intelligents, ça demande de la rigueur. On avait parlé des privilèges, nous avons parlé des assistances de voyage, hein, des évacuations sanitaires garanties par les biais des avions médicalisés. Hein. Éventuellement, tous ces gens-là se soignent en France, hein, à l'hôpital américain, je crois, de France, hein, vous voyez, et d'autres vont en Afrique du Sud. Même des opposants qui nous font miroiter, qui ne sortent pas du Congo, Sassou fait affréter des médecins hein, qui viennent les soigner à Brazzaville même. C'est ça qui est la vérité. L'exemple encore de Boao peut vous témoigner, ce même Boao qui critiquait le régime, mais on l'a vu récemment à Paris venir à un mariage. Bien sûr, sa fille se mariait avec le fils Zéphirin Mboulou. Il est venu avec le passeport diplomatique signé et avec l'argent du contribuable congolais. Donc vous voyez que ça vous donne la figure et la caricature des opposants au Congo. Éventuellement, c'est ce camarade président qui apporte le sourire. Et ce même sourire que Pierre Ngolo est en train de le dire. Mais Pierre Ngolo le dit parce qu'il faut rassurer les troupes. Parce qu'apparemment,
il est devant un fait accompli, on est en train de le menacer parce qu'il accumule le mandat. Il est président du Sénat du régime de Sassou, il est aussi secrétaire général du Parti communiste du travail. Il y a un groupe, puisque nous savons que tout le Parti communiste du travail est constitué de caciques, des gens qui sont là en train de coups de poignet les uns aux autres, et ceux-là qui sont à la recherche du pouvoir, bien sûr, sous le dos du peuple. Et donc, ce sourire-là que Sassou Nguesso les apporte. Nous avons aussi parlé des perdièmes, hein, ceux qui reçoivent par mois, hein, des indemnités que Sassou leur paye. Ces gens-là, ils ont des salaires. Des Clément Mirassa, tout ce monde-là, l'opposition que vous connaissez au Congo, Sassou leur paye par mois. Ils ont plus de 6 000 à 8 000 dollars, 8 000 euros par mois que Sassou leur donne sur l'argent du contribuable congolais. Ils sont là en train de vous jouer au jeu. Malheureusement, nous faisons face à un peuple aveuglé qui ne comprend pas tout ce que nous sommes en train de leur dire. Le camarade président qui apporte le sourire, Pierre Ngolo le confirme ici. C'est cela. Nous allons continuer d'écouter ce que Ngolo Pierre est en train de nous dire ici. Il s'agit, si les Congolais étaient objectifs, il s'agit de reconnaître que nous avons, par le passé, dans notre histoire, vécu des périodes difficiles. Et que nous en sommes sortis victorieux. Bon, on ne sait pas quelle est la victoire ici que Pierre Ngolo est en train de nous faire miroiter. Nous avons connu des moments difficiles, nous sommes sortis victorieux. Nous ne savons pas. Mais si nous essayons de regarder le malheur que ce parti a emmené dans le pays, certainement c'est cela qu'on nous parle de leur victoire. Le coup d'État de 1997, ils ont marché sur plus de 400 000, 800 000 morts. C'est ça les résultats, la victoire dont Pierre Ngolo nous fait miroiter. Nous essayons de regarder, depuis que ce régime est revenu au pouvoir, éventuellement plus de 22 ans au pouvoir, avec tout l'argent qu'ils ont reçu, éventuellement l'effacement de la dette du Congo, par le Fonds monétaire international, on est parti de 119% du PIB jusqu'à quasiment à 33% du PIB. Mais le pays a fait d'énormes revenus, de l'argent qu'on a amassé au niveau de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Tout cet argent a disparu. C'est cela les résultats que Pierre Ngolo nous fait miroiter. Alors, nous ne savons pas de quel bonheur, comment Pierre Ngolo peut nous dire le Congo s'est en sorti, si ce n'est que le régime qui s'en sort facilement, si nous partons du référendum, de référendum en référendum, de changement de la constitution, éventuellement le matraquage de peuple, la répression au niveau du peuple. Nous connaissons le prix. Le prix c'est quoi? Les Congolais ont payé du sang. Nous connaissons encore la victoire, Pierre Ngolo nous parle ici. Le génocide dans le département du Pôle, bombardé aux armes lourdes de combat militaire pendant plus de 2 ans, en complicité de Frédéric Binsamou Ntoumi. C'est cela que la victoire que Pierre Ngolo est en train de nous faire parler ici. Éventuellement, nous voulons encore parler de la toute dernière élection de 2015, pardon, et cette élection qui a permis à Sassou de frauder, de changer les résultats. Éventuellement, ça c'est ça la victoire que Pierre Ngolo nous parle. Nous voulons aussi parler de l'emprisonnement du général Mokoko, l'emprisonnement de Kombi, l'emprisonnement de Paulin Makaya, l'assassinat d'Augustin Kalakala. Et l'assassinat de nos jeunes dans les prisons au Congo, les répressions graves, les violations graves des droits de l'homme, c'est cela les victoires que Pierre Ngolo est en train de faire miroiter. Et encore, la plus grande victoire qu'ils ont eue, c'est le pillage de l'argent du Congo, les 14 000 milliards de générations futures qui étaient déposés au niveau de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, que Sassou est venu battre la poitrine lors de la campagne de l'élection présidentielle passée. Éventuellement, c'est cela. La victoire que Pierre Ngolo nous parle ici. Donc, en réalité, Pierre Ngolo nous parle ici que le PCT s'en sort toujours victorieux, quel que soit le bruit que nous allons faire. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela, parce qu'il compte sur un homme qui joue les dés, qui joue au jeu d'échecs et maths, un homme qui sait pousser les dés dans la corruption, dans la fraude, dans l'opacité de la chose. Vous voyez. Donc, en réalité, le PCT sort toujours gagnant. C'est ça les victoires que Ngolo Pierre est en train de vous dire ici. Éventuellement, Ngolo vous parle encore d'une victoire. La victoire, c'est quoi? Mais parce qu'ils ont eu le doyen Bikku de Nane Telamio, paix à son âme, qui venait de partir. Parce que Pierre Ngolo a rencontré le doyen Bikku de Nane Telamio. Nous ne sommes pas sûrs parce que nous n'avons jamais connu le résultat de l'autopsie. Est-ce que la rencontre, le doyen Bikku de Nane Telamio et Pierre Ngolo, c'était
un moyen de faire passer ce doyen. Nous ne savons pas. Donc, vous voyez que nous pouvons compter tout cela dans tout ce contexte que nous avons appelé les victoires de Sassou Denis, bien sûr, par le Parti comme le travail. C'est ce que Pierre Ngolo est en train de vous dire ici. Nous allons continuer d'écouter l'homme. Grâce à la lucidité, grâce à la posture et la capacité managériale du camarade Denis Sassou Nguesso. Bon, la capacité managériale, ça c'est ce que Ngolo Pierre en train de nous dire. La lucidité du camarade Sassou Denis, mais il faut le dire que la capacité managériale de Sassou est nulle, elle est nulle cette capacité. Mais il n'a qu'à voir les résultats économiques du Congo, il n'a qu'à voir tous ces scandales que nous connaissons, Glencore, Trafigura, le pillage économique de l'argent du Congo, et tout ceci, vous voyez, chers amis. Et donc, la lucidité de Sassou, c'est cela, détruire les autres, éventuellement l'assassinat d'Augustin Kalakala, la répression, aujourd'hui Mokoko emprisonné, qui ne peut plus voir même la lumière du jour. C'est cela la capacité managériale de Sassou, Le pillage économique encore, la banqueroute, l'armageddon économique, l'apocalypse économique, ça fait partie de la capacité managériale de Sassou Denis. Alors, vous voyez que Ngolo et le PCT, vous voyez toutes les troupes rassemblées derrière lui, et sont là en train de vénérer, ne comptant que sur Sassou. Vous comprenez que ces gens-là ont un seul plan. Leur plan, c'est se maintenir coûte que coûte au pouvoir, voir Sassou mourir au pouvoir. Alors, vous voyez que peuple congolais, ces gens-là se moquent de vous. Il va falloir que vous vous réveillez. Alors, continuez d'écouter. En tant que président du comité central du parti, mais en tant que président de la République, on a passé des moments difficiles. On a eu des arriérés, de salaires, de bourses, de pensions. Certains avaient perdu espoir. Mais par son effort, la situation a été régularisée. Bon. Voilà, Pierre Ngolo vous parle de la régularisation de la situation économique du Congo. Pierre Ngolo, excusez-moi, je vais simplement essayer de connecter pour qu'on ne puisse pas être interrompu par un problème de batterie. voilà, vous avez eu des arriérés de bourses impayées, de pensions impayées, de salaires impayés, mais vous êtes quand même s'en sorti. C'est ce que Pierre Ngolo vous dit. Est-ce que cela est la vérité? Non, chers amis. Dites-nous, l'université Marie Ngobi, plus de 8 mois sans bourse et sans salaire. Les enseignants de l'université Marie Ngobi, plus de 8 mois sans salaire. C'est cela qui est la vérité. Il y a même grève qui est en cours. Les étudiants de Marie Ngobi, on peut dire des années sans pourtant payer les bourses. Les pensions sont totalement impayées au Congo. L'exemple des étudiants congolais qui pleurnichent. À Cuba, nous en avons vu, hein, des étudiants congolais qui sont même rentrés en porte-à-faux avec des policiers cubains. Vous voyez, la situation des bourses en Union soviétique, nous avons vu des déclarations partout. Et Pierre Ngolo vous dit, vous vous êtes en sortie, qui sont arrivés à payer tout cela. Bon, vous voyez qu'on se moque des Congolais. Il est en train de cracher sur le visage du peuple congolais. Vous voyez, donc si vous pouvez continuer à compter sur Sassou, Sassou qui est devenu tout simplement un mort-vivant, comme nous sommes en train de le dire, un kuyuwayuma, comme on a l'habitude de dire, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les aventures mystérieuses, excusez-moi, je vais simplement essayer de connecter ceci, les aventures mystérieuses de Patrick Demandon, vous allez comprendre que nous faisons en réalité face aux gens qui n'ont aucune moralité, aux gens qui n'ont aucune vision, aux gens en réalité qui se moquent véritablement du peuple congolais. Vous êtes en sortie? Non, vous ne vous êtes pas en sortie. Nous allons écouter la réponse de Sassou, puisque Pierre Ngolo dit qu'il est l'homme de la situation, il est l'homme des actions concrètes, comme vous avez l'habitude de l'appeler, il est l'homme de la situation, et Pierre Ngolo nous parle d'une situation conjoncturelle, d'une crise conjoncturelle, mais ce qui est totalement faux, ce n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise bien méritée, bien tracée par le régime Sassou, qui a mis
toutes ces stratégies possibles pour voler l'argent du Congo. Mais Pierre Ngolo dit, malheureusement, malgré toutes ces situations difficiles, le Congo s'est toujours en sortie, mais nous allons essayer d'écouter ce que lui-même Sassou, la réponse qu'il va donner à Pierre Ngolo, et nous allons simplement comprendre que nous faisons face aux gens qui sont là, des propagandistes. Hein. Lui-même, il n'est pas l'homme de la situation. Mais ça, c'est la réponse qu'il vous donne à Moscou, tout récemment, le voyage qu'il a effectué à partir du 21 jusqu'au 22, au 23. On se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis bon, on constate qu'on a fini, enfin, par payer tout le monde. Et on attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades que nous avons envoyés à Cuba, parce que le pays avait besoin de formation, besoin de médecins, de techniciens supérieurs à la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Bon, voilà, donc là, vous avez entendu la réponse que Sassou Denis venait de donner à Pierre Ngolo. Donc vous voyez qu'il y a déjà contradiction. Hein, si ce que Ngolo vous dit que vous vous en sortez, vous avez eu des arriérés non payés de salaire, de bourses et de pensions. Mais Sassou vous dit qu'il faut serrer la ceinture. Qu'il perd sommeil toutes les fins du mois quand il s'agit de payer les salaires des fonctionnaires. Parce qu'il faut racoler des bouts par-ci par-là. On fait parfois des tours, donc une ristourne à l'interne. Et quelle est cette ristourne-là? Les Nguesso deviennent des créanciers du Congo avec l'argent du contribuable congolais qu'ils ont volé, mais qu'ils viennent encore déverser cet argent en donnant des prêts à l'État congolais pour qu'ils continuent de payer. C'est ce que Sassou vous dit là. Donc vous voyez que Pierre Ngolo vous dit vous êtes en sortie, Sassou vous dit on ne s'en sort pas là. Il y a contradiction entre les deux. Mais ils sont de même parti politique que nous appelons le Parti congolais du travail. Donc vous voyez que nous faisons face aux menteurs, aux manipulateurs, aux démagogues qui sont là pour traîner le pays vers la boue. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, vous n'avez pas de choix quand vous faites affaire à des gens pareils. Et sinon, si vous continuez de vous endormir, ben, Sassou va vous emmener droit dans la tombe. Et Sassou va vous emmener droit vers les abîmes. Sassou va se mettre à vous détruire d'une manière complète. Si vous ne vous réveillez pas, en réalité, Sassou va vous détruire. Hein. C'est cela que nous voulons dire au peuple congolais. Malheureusement, nous faisons face à un peuple qui dort, qui attend qu'il y ait une armée qui reviendra de quelque part pour venir vous libérer. Il n'y aura pas une armée qui viendra vous libérer. Vous devez compter sur vous-même, sur vos propres efforts. Sur vos propres efforts. Vous voyez? Mais ce que, pour clôturer cette section du Congo, vous allez comprendre une contradiction qui existe avec ces opposants de facettes hein, qui jouent à la farce, qui continuent d'amuser la galerie, hein, comme nous avons l'habitude de dire ici, ils continuent d'amuser la galerie, et ces opposants éventuellement, je vais simplement, parce que puisque l'eau-parleur il est unique, pour essayer de booster le son, il va falloir que je joue sur les deux ordinateurs pour que nous puissions avoir un son de qualité. Ces opposants de farce, hein, qui viennent faire semblant de critiquer le régime, mais en réalité, ils font semblant de critiquer le régime sans pourtant toucher au pouvoir, sans pourtant parler des véritables problèmes comme nous sommes en train de le dire. Nous appelons à l'équilibre des forces militaires. Hein? Nous sommes clairs là. Parce qu'avec des gens pareils, comme Ngolo vous l'a dit, qu'ils sont prêts à conserver l'initiative c'est le pouvoir. Parce que quand ils avaient perdu le pouvoir en 1991, Ngolo dit, vous savez comment nous avons vécu. Donc ils ont vécu dans la galère. Ça veut seulement dire que c'est des gens qui ne comptent que sur le pouvoir pour survivre. Vous voyez, donc il faut
faire le nécessaire pour conserver le pouvoir à n'importe quel prix, même s'il s'agit du prix du sang. Ils sont clairs, hein? Ils sont déterminés sur ça. Voilà pourquoi ils utilisent la corruption à une très grande échelle pour se maintenir là. Et cette corruption s'étend au niveau de l'international, hein, au niveau de l'international. Et puis vous avez des opposants accompagnateurs comme de Pascal Satimabiala, comme de Guy Parfait Kolela, comme de Nzo Mathias, qui viennent critiquer le régime, mais sont pourtant touchés à l'initiative. C'est une stratégie, hein, de communication, aussi une stratégie pour démontrer aux yeux du monde entier qu'il y a eu une opposition qui existe. Donc ça veut seulement dire que Sassou Nguesso ne touche pas à ses opposants-là. Puisque si nous voyons Mokoko qui a été accusé pour atteinte à la sûreté de l'État, soi-disant, il voulait faire un coup d'État, vous avez Okombi qu'on a accusé à l'atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il voulait faire un coup d'État, mais un homme qui avait été recherché par Sassou pour des motifs de rébellion comme Frédéric Binsamountoumi, qui a d'ailleurs dévasté une grande partie du pays par une guerre créée entre Sassou et Ntoumi. En fait, un jeu, un terrain, un match qu'ils ont joué pour briser ce département, mais qui, aujourd'hui, use de toutes ses libertés de mouvement. Son parti venait de se faire accréditer de plus pour continuer à jouer son rôle. Éventuellement, puisqu'ils ont une élection qui se pointe à l'horizon, l'élection de 2021. Vous voyez? Donc vous voyez que, mais les opposants comme les hommes Mathias qui font semblant de toucher le fond du problème, mais sont pourtant touchés à l'initiative, parce que c'est ça les instructions. Parce que toucher à l'initiative, c'est quoi? C'est d'appeler à l'insurrection populaire. Nzo Mathias ne peut pas le faire, parce qu'il faut toujours conserver ses privilèges qu'il a du côté de Sassou Nguesso. Nzo Mathias ne peut pas parler de l'équilibre de forces militaires. Au contraire, il nous parle d'un dialogue à la sauce Sassou. C'est ce que nous avons dit. Il n'y a pas question de dialoguer avec des criminels. Vous avez vu, hein, les grandes nations ne dialoguent pas avec le terrorisme. Pas question. C'est cela qui est la réalité. Les grandes nations doivent frapper les terroristes. Nous faisons affaire à un terroriste général au Congo, à un chronique paresseux national, à un homme qui a pillé le tout un État, à un homme qui joue au banditisme au Congo. C'est du terrorisme d'État. À un voyou qui a confisqué les libertés, un voyou qui assure les violations graves des droits de l'homme, on ne peut pas dialoguer avec cet homme-là. Il faut chasser cet homme, vous voyez. Mais Nzo Mathias, vous allez voir, il faut protéger l'initiative, jouer le jeu du pouvoir, essayer de jouer un contrepoids en venant avec des critiques. Vous allez essayer d'écouter si nous aurons la chance de voir ça. Voilà, alors, on va essayer de voir. Est-ce qu'on aura la chance de jouer cette vidéo? Je vais essayer simplement de oui. Après avoir enterré quelqu'un, ça devient difficile. Pour ça, vous ne pouvez pas. Mais quand la personne meurt, vous allez au CHU, le cercueil coûte 500 000. Le seul cimetière qui reste, Bouka. Pour enterrer chez Bouka, le minimum, c'est 700 000. Ça fait déjà 1 million 200 000. Parfois, jusqu'à 2 millions. Mais vous n'avez pas pu soigner votre patient parce qu'il n'a pas d'argent. Mais pour enterrer, alors, chacun va se donner. Comme on va se vendre nous-mêmes pour dire bon, faut enterrer quelqu'un. Bientôt, on va faire comme les Ouest africains, on enterre plus les gens, on enrôle dans des particules blancs, on jette. Et imaginez dans une famille, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, les enfants ne travaillent pas. Et un membre de cette famille meurt. Comment ils vont faire? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très grave. Et le gouvernement regarde. Mais il faut dénoncer. C'est ce qui fait que il faut que la gouvernance change. Avec cette gouvernance, le pays va couler et nous serons tous responsables. Qui ne dit mot est complice. Bon, vous avez entendu, c'est des stratégies de communication, n'est-ce pas? Il faut ressortir les véritables problèmes sociaux, les difficultés des citoyens. Mais lui, en tant que leader d'opposition, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si Sassou n'appelle pas ce dialogue, vous allez continuer à regarder Sassou faire couler le pays. Ce n'est pas la responsabilité, il dit, c'est la responsabilité de tout le monde. Éventuellement, c'est la responsabilité de tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas t'arrêter simplement à la dénonciation? Ou il faut aller un peu plus, à un niveau plus élevé, éventuellement appeler les citoyens à un soulèvement populaire? Mais il ne le fait pas, parce qu'il faut conserver l'initiative, il faut conserver les privilèges. Le jeu que Mathias Nzon est en train de jouer, c'est un jeu d'accalmie.
pour essayer de ramener une partie des populations envers lui. Des gens qui croient aux opposants, mais ça fait partie de leur manipulation, ça fait partie de la démagogie du régime. Créer des opposants de façade qui vont tenir un certain nombre de discours et emmener le peuple à copter ce discours. Et c'est cela, c'est ce que Mathias nous a fait. C'est de la diversion. Parce qu'un vrai opposant qui croit que le pays est en train de se couler, il faut que le peuple se soulève pour aller prendre son pouvoir. C'est cela que le discours que Mathias Nzon devait tenir. Mathias Nzon ne le fait pas parce qu'il sait qu'il doit conserver ses privilèges. Vous voyez, c'est cela qui est la vérité. Donc nous sommes là pour vous dire la vérité. Mathias Nzon, il faut le rappeler, a été ministre des Finances de Sassou pendant tout le temps que Sassou est revenu au pouvoir. Et par le coup d'État de 1997, les Mathias Nzon étaient des gens qui ont financé la guerre, plutôt le coup d'État de Sassou Nguesso. Ça faisait partie des gens qui ont bâti des stratagèmes, des stratèges de ce régime pour maintenir le camarade Sassou au pouvoir. Il faut conserver l'initiative. C'est le jeu que Mathias Nzon fait. Pourquoi Mathias Nzon veut vouloir parler de la responsabilité du peuple? Pourquoi Mathias Nzon ne parle pas aux militaires de prendre leurs responsabilités? Vous voyez, chers amis, et nous sommes là en train de vous ouvrir les yeux. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ouvrez grandement les yeux pour lire le visage de ces gens. Mathias Nzon va se limiter à des petits discours dans les salles, en brouillant éventuellement cette presse congolaise avec des journalistes. Le journaliste que Mathias Nzon a l'habitude de citer, c'est Jimmy. Ce journaliste, Jimmy. Donc vous voyez que ce sont des journalistes qu'on a formés spécialement pour accompagner ces types d'opposants. Nous allons continuer d'écouter. Et c'est ce que nous faisons. Ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas changé d'image. On n'a pas changé parce que nous sommes obligés de dire ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parce que le pouvoir là, ça ne va pas du tout. Mais demandez à vos amis qui travaillent au trésor, allez même maintenant, là, allez demander au trésor, il y a combien d'argent dans la caisse? Et il n'y a rien, même pas 1 milliard. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a une chose, dites-moi, nous n'atteignons même pas 5 millions d'habitants. Comment pouvez-vous justifier dans un pays qui n'atteint pas 5 millions d'habitants, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout, on paie des salariés, la masse salariale mensuelle est de 45 milliards. Qui nous payons? Et vous les jeunes, posez la question au pouvoir, qui on paye? Bon, ça c'est une problématique très intéressante que Nzo Mathias venait de soulever. Malheureusement, ce qu'il est incapable de dire au peuple congolais, que lui-même, il a fait partie de ce système, et ce système a fonctionné avec les mêmes normes de budget, avec des dépenses énormes, avec quasiment les mêmes salariés. Et qui Mathias Nzo a donc payé à cette époque-là? Il doit se poser la question. Mathias Nzo était multimilliardaire avec l'argent du contribuable congolais. Alors dites à Mathias Nzo, De lui qui nous donne la réponse, qui nous donne véritablement la réponse au peuple congolais. Quand il était ministre dans le régime, dans ce même régime qu'il gère aujourd'hui, il payait qui? Oui, chers amis, peuple congolais, ne vous faites pas tromper hein, par tous ces gens qui ont côtoyé le régime, qu'on a envoyé de l'autre côté pour faire semblant de jouer aux jeux qui sont opposés. Mais en réalité, c'est une pérennisation du pouvoir dans ce clan. C'est un clan, c'est une génération. Il faut conserver le pouvoir dans la génération, détruire la jeunesse, contrôler la jeunesse, éventuellement c'est cela, dominer la jeunesse. Parce qu'ils arrivent même à prendre vos petites femmes, hein, les femmes de cette jeunesse-là. C'est cela, chers amis. Donc vous devez grandement ouvrir les yeux pour comprendre la manipulation de ces gens-là. Vous allez remarquer que Mathias Nzon fait toujours ses meetings dans cette petite salle. Son journaliste, quand vous voulez l'écouter, Jimmy, est toujours là pour vous manipuler, vous conduire. Mais Mathias Nzon, Jean Itagi ou Mukwege ne vont jamais appeler le peuple à se soulever. Jamais du tout. Comment vous allez expliquer que ces gens-là ne travaillent pas? Comment ils font pour vivre? Vous ne posez pas cette question. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de revenus. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Des entrepreneurs, comment ils font pour vivre? Posez-vous la question. Et allez-y réfléchir encore, vous allez vous rendre compte. Nous allons continuer d'écouter comment nous sommes Mathias et en train de distraire le peuple congolais. Nous sommes au maximum 80 000 fonctionnaires du Congo ici là. Alors nous proposons de leur éviter un bain de sang.
Si nous voulons trouver une solution sur le sang, ce n'est plus une solution. Voilà le dialogue. C'est pour éviter une peine. Ça paraît dans ce pays, avec notre type, l'être que vous parlez, c'est le pistolet qui sort. Il ne sait pas répondre à quelque chose. Comme ça, on lui dit, viens t'asseoir avec nous, on va parler. Bon, voilà. Comprenez que on ne peut plus rester sur les bases du dialogue avec des gens qui sont déterminés à se pérenniser au pouvoir par n'importe quel prix. Enzo Mathias vous parle de dialogue ou encore pas pour éviter le bain de sang, mais le bain de sang est déjà là. Le bain de sang se fait d'une manière indirecte. Quand on pille l'argent de l'État, quand on prive les gens des véritables conditions de santé, éventuellement avec la fermeture des hôpitaux, des routes qui deviennent payantes, éventuellement, nous voulons ici parler de Brazzaville-Pointe-Noire, là où les citoyens se démerdent à leur manière pour essayer de se taper une vie. Vous comprenez que vous êtes là en train de restreindre au déplacement, au mouvement des citoyens qui est garanti par la même constitution de Sassou-Denis. Donc quand vous fermez les hôpitaux, vous empêchez les gens de se déplacer convenablement, de se soigner, mais vous êtes là en train de créer un bain de sang d'une manière indirecte. Vous voyez, chers amis, essayons seulement de regarder, nous avons vu des publications où on nous parlait de 30 cadavres qui avaient été enterrés à la mort de Pointe-Noire un vendredi, et le samedi, il y avait 80 plus qui sont suivis. Donc vous voyez qu'en deux jours, vous allez enterrer quasiment 120 Congolais, ça c'est en deux jours. Mais si vous multipliez par le mois, par le nombre d'années, comprenez combien de Congolais sont en train de mourir. Mais ça, c'est un bain de sang, d'une manière indirecte. Le bain de sang n'est pas seulement synonyme de voir les armes sortir et massacrer les gens. Quand vous privez les gens des véritables conditions de santé, des véritables conditions éducatives, la bonne vie, c'est-à-dire le minimum de pouvoir pour que les gens puissent manger, se nourrir convenablement, c'est déjà un bain de sang, d'une manière indirecte. Vous voyez ? Enzo Mathias dit, nous l'appelons au dialogue, venez dialoguer avec nous. Mais vous dialoguez déjà dans les coulisses, dans les ombres, dans l'obscurité, pour bâtir les stratégies, pour endormir le peuple. C'est cela qui est la vérité. Alors, peuple congolais, il va falloir que vous vous ressaisissiez. Hein, c'est un système, c'est un clan, c'est une génération des crocodiles qui se sont décidés de croquer les jeunes. C'est cela qui est la vérité. Et vous encore, éventuellement de commettre les discriminations, hein, les discriminations envers les femmes, envers les enfants, envers les autochtones, ainsi de suite, les autochtones ici que nous appelons des pygmées, c'est cela qui est la vérité. Donc vous voyez que ce que Nzo Mathias nous parle ici, c'est le même discours avec Ngolo. Vous voyez que c'est deux discours qui se convergent, hein, mais qui vous font semblant d'être opposés. Hein. Il dit, nous l'appelons qu'ils viennent dialoguer avec nous. Hein? C'est cela, hein? Conserver l'initiative. Bon, maintenant nous allons essayer très vite de terminer ce petit direct pour vous emmener. Sur un discours des partenaires de Sassou-Denis. Pourquoi nous allons jouer cette section de la vidéo? C'est quelques secondes. Hein. Nous voulons ici parler de Dominique de Villepin qui soutient énormément la dictature du Congo-Brazzaville, hein, qui soutient le régime Sassou. Vous allez donc écouter ce que Dominique de Villepin va nous parler sur l'Amérique, hein, comment il est en train d'attaquer l'Amérique. Mais je vais jouer l'entièreté de ce discours pour que les Américains écoutent ce que Dominique de Villepin est en train de dire, ce que la France pense, et nous allons donc tirer une section de son discours. C'est une vidéo de quelques secondes. Donc, permettez-nous de tourner. Voilà. Je vais simplement essayer de cliquer play. Mike Pompeo, hier, devant la Fondation Héritage, a eu un discours d'une violence et d'une brutalité. On ne peut pas se considérer ce matin allié et ami d'une administration qui nous traite comme ça. Bon. On ne peut pas se considérer de cette façon d'une administration qui nous traite comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que les Français sont en train de parler par rapport au discours du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Bon, que diront donc les Africains? Comment les Africains vont se comporter de la façon dont vous vous traitez les citoyens africains par votre coopération avec des régimes
des régimes répressifs, de la dictature en Afrique. Et bien évidemment, nous allons nous comporter, on peut le dire, en rebelle. Vous voyez ? Mais vous voyez que, comme on a l'habitude de dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous voyez ? Si vous voulez vous attaquer aux Américains, et donc les Africains vont s'attaquer à vous, hein ? Et la manière dont vous traitez l'Afrique, vous traitez la jeunesse africaine, vous traitez nos États, la manière dont vous pillez nos États, vous supportez les criminels les plus réputés du monde que vous vous protégez par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que vous détenez un droit de veto. C'est cela. Le cas de Sassou est le cas le plus criminel du monde entier que vous vous êtes en train énormément de protéger. Donc vous voyez qu'aujourd'hui vous venez faire semblant d'accuser les Américains. Mais si aujourd'hui les Américains se lèvent pour dire « bon, plus question que vous continuez à piller l'Afrique de cette façon », mais vous voyez que vous allez vous retrouver dans un rang de pauvreté très élevé. C'est cela qui est la réalité. Mais en réalité, que nous voulons simplement vous dire que vous avez certainement eu l'habitude de s'amuser avec les régimes passés de présidence aux États-Unis. Certainement, cette fois-ci, vous faites face à un homme qui change les cartes du monde entier, qui ne veut pas coopérer de la même façon. Parce qu'il faut le dire que le président Trump venait même de dire en Angleterre qu'il ne s'agit pas en Angleterre d'aller dans le Brexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne avec un deal défavorable à l'Angleterre. Il faut que ce soit un deal favorable. Et donc vous voyez que l'Amérique est en train de tenir une position pour mettre simplement des États comme la France qui dépend énormément de l'Afrique, qui survit 100% grâce aux fonds africains en difficulté. Donc vous voyez que si aujourd'hui l'Amérique se dit « bon, nous allons essayer d'aider les Africains pour mettre en difficulté la France », vous voyez que vous allez simplement rester dans la perdition. C'est cela. Et nous sommes ces jeunes Africains-là qui vont vous apporter, vous rappeler par rapport à vos propres discours, parce que ce que vous dites sur vos propres médias ne reflète pas votre comportement sur le terrain. Aujourd'hui, la France est en train de perdre les pédales en Afrique à cause de la montée de la Chine, la montée de la Russie à cause de votre comportement. Regardez un peu depuis le régime Macron est venu en France avec son ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Regardez comment la France devait ridiculiser. Aujourd'hui au Mali, les intérêts français sont en difficulté. Des stations se font brûler. Vous voyez, chers amis, toutefois que les militaires français s'attaquent aux gendarmes ou aux forces maliennes, les jeunes maliens répliquent par une violence nous appelons stratégique. Vous voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, la République centrafricaine est quasiment entre les mains des Russes à cause du comportement des diplomates français et qui ne pensent qu'à leur poche, hein, qui ne voient que leurs intérêts, leur rapprochement avec des dictatures et des despotes parce qu'il y a des valises d'argent qui circulent et donc l'argent est caché dans les paradis fiscaux. Vous voyez, des gens comme des Guéillons qui ne retire que 100 euros pendant 10 ans dans son compte. Imaginez comment cet homme faisait pour vivre. Vous voyez, chers amis. Donc, David Pain, nous savons qu'il a refusé la guerre d'Irak, mais le même David Pain, nous le voyons, sur l'axe de Brazzaville, soutenir le régime le plus criminel que l'Afrique n'a jamais connu, le régime qui pille le Congo, qui détruit le Congo d'une manière générale. Aujourd'hui, il veut vouloir s'attaquer aux Américains. Nous allons continuer de suivre ce que David Pain est en train de nous dire ici. Mais David Pain représente la France. De plus, c'est une politique comme allié et ami avec les États-Unis. C'est une politique avec l'administration américaine. C'est une politique de diktat et d'ultimatum. Oui. Et je ne suis pas le premier à le dire. Angela Merkel l'a dit la première en indiquant « Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis ». C'est une vérité nette. Et tous ceux qui aujourd'hui ne le regarderaient pas en face, cette vérité, s'aveugleraient. Ça veut dire quoi? Que Donald Trump a mené en bateau Emmanuel Macron avec ses gestes d'amitié, de considération? Emmanuel Macron a fait le chemin jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous connaissons vers 8. Oui. L'Iran, Gaza, Jérusalem. Oui. Est-ce qu'on peut considérer
que le droit à la sécurité d'Israël, que nous reconnaissons et que nous garantissons, la France a toujours été d'une clarté formidable sur ce sujet, est aussi un droit au massacre des populations palestiniennes. C'est un massacre qui a été commis par les troupes israéliennes. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un massacre. Vous savez... Bon, voilà, ça c'est la section qui m'intéressait. Quand vous tirez sur des enfants, des femmes désarmées, des citoyens désarmés, ça s'appelle massacre, signé Dominique de Villepin. Là, il parle des Israéliens, hein? Mais nous voulons parler de l'Afrique, du Congo-Brazzaville. Quand vous tirez sur des enfants, vous tirez sur des femmes, vous tirez sur des gens non armés, ça s'appelle massacre. Ça, c'est signé Dominique de Villepin, un allié du régime Sassou, ancien premier ministre de la France, un partenaire de la France-Afrique, qui le dit. Ça, là, il accuse les Israéliens. Et là, il accuse les États-Unis, parce que les États-Unis supportent l'Israël. Mais quand Sassou Nguesso tire à bout portant sur des Congolais non armés, tire sur des femmes, sur des vieillards, va massacrer pendant 2 ans, bombardement aux armes lourdes de combat militaire avec des hélicoptères 1000 miles 24, le département du Poul, là, ça ne s'appelle pas massacre, ça ne s'appelle pas génocide, selon la France. Vous voyez, chers amis, pourquoi donc cette politique à deux vitesses qui consiste à pouvoir simplement essayer de critiquer parce que cette fois-ci, les Américains essaient de pincer un peu. Et l'Afrique en néglige parce que nous sommes des animaux, donc une poubelle. Et là, ça ne s'appelle pas massacre. Au Congo-Brazzaville, quand vous faites affaire à un homme qui massacre des jeunes dans les prisons, des jeunes qui rentrent en forme dans les prisons avec une santé de fer et qui sortent de là des cadavres. Quand on tire à bout portant sur des jeunes qui manifestent pacifiquement pour chercher la libération de la démocratie, ça ne s'appelle pas massacre. Alors là, c'est un message que nous voulons faire passer à Emmanuel Macron, le président de la France. Oui, Dominique de Villepin vient de dire, vous êtes arrivé au bout avec les Américains. Mais Dominique de Villepin vient de dire, si vous faites affaire à un régime, on peut simplement dire, des ultimatums, un régime aux pratiques féroces, on ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus continuer à supporter ce régime. Nous faisons affaire au Congo à un régime féroce, à un régime d'ultimatum, à un régime qui manipule le peuple, qui manipule la sous-région, qui manipule même la communauté internationale. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Africains. Donc, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des animaux, on n'a pas un cerveau. On peut nous massacrer, ça ne s'appelle pas massacre. Ça, on ne peut pas appeler ça génocide, ce qui s'est passé au Congo. Mais vous êtes, on vous voit sur l'axe Brazzaville, l'axe Oyo, sur des avions affrétés par le régime Sassou. Alors soyons un peu sérieux, chers politiciens français, nous ne sommes pas vos ennemis, mais nous voulons être ces bons partenaires avec vous pour continuer à travailler ensemble. Alors si vous condamnez du côté A, condamnez du côté B, et donc traitez tous les massacres comme massacres des humains, comme crimes de guerre, comme génocide. C'est cela que nous voulons parler. Maintenant que nous sommes en train de parler, il y a un génocidaire qui est assis au Congo et qui pavane partout dans tous les avions et qui continue à frauder avec l'argent du Congo. Mais vous êtes incapable d'appeler cela massacre parce que ce génocidaire-là met des valises d'argent, du cash dans vos poches. Et nous, en tant que cette nouvelle jeunesse africaine, nous allons continuer à condamner ce genre de pratique. Voilà, donc on va essayer de voir si on va essayer de terminer ce direct par cet individu-là que nous connaissons tous, ce Sassou Denis. Ce même Sassou Denis, par son comportement bizarre, vous avez vu qu'il a été même ridiculisé encore en RDC, hein, lors des obsèques de Tshisekedi.
il venait de se faire chasser par le protocole de la République, le protocole des services, le protocole de la République démocratique du Congo aux obsèques de Sphinx Tshisekedi père, hein, parce que éventuellement les séances d'enterrement c'est un truc familial, ça doit se faire simplement, on peut dire, dans une certaine forme, peut-être des rituels, vous voyez, dans l'intimité familiale, vous voyez, chers amis. Mais c'est qui est curieux qu'il a voulu être là, assister jusqu'à ce qu'on va mettre l'homme sous la terre. Et quel était son plan? Donc nous allons essayer de voir si nous aurons la chance de regarder, et nous allons voir comment le protocole est en train de le ridiculiser, mais il ne comprend pas le message. L'homme ne comprend pas le message, il s'entête. Le ridicule ne leur dit rien. Là, vous le voyez. Vous allez le voir ici. Donc, nous allons voir comment le protocole va se déplacer pour aller demander à l'homme de quitter la cérémonie. Et là, nous sommes aux obsèques de Tshisekedi. Je vais simplement essayer de regarder. Là, vous le voyez, le protocole vient lui dire, le protocole est en train de parler ici. Le protocole le parle, lui demande de quitter. Et là, vous voyez le président Tshisekedi est là. Et là, voilà, l'homme est parti. Vous voyez? C'est incroyable. C'est incroyable, hein, chers amis. C'est incroyable. Hein? Tous les présidents, entre guillemets, les vrais présidents qui étaient là, ils sont partis. Et lui, il est resté là-bas. Quand on est là, à ce poste, voulant regarder jusqu'à la mise en terre du doyen de vieux Tshisekedi, et voilà comment il se fait ridiculiser. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là, hein? Laissez le pouvoir, sinon que quittez avant que les choses vous quittent. Hein? Ne soyez pas ces durs à cuire qui pensent que vous pensez que le pouvoir vous appartient. Vous voyez, chers amis, nous allons rapidement terminer par cette section du Fonds monétaire international. Ce que nous voulons dire aux 24 administrateurs qui vont décider sur le cas du Congo, sur le volet Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international doit s'assurer de l'extrême vigilance. Hein, de l'extrême vigilance. Éventuellement, le rôle du Fonds monétaire international et la Banque mondiale est de s'astreindre impérativement à la transparence d'informations. Nous voulons vous rassurer cela. Nous voulons vous rappeler cela. Le rôle du FMI et de la Banque mondiale est de se rassurer impérativement à la transparence d'informations. À la transparence d'informations. Donc, cela signifie que le cas du Congo doit se faire traiter avec toute la transparence. Ce n'est pas parce que vous aviez un représentant du Fonds monétaire international du Congo qui est allé négocier. Mais nous avons connu les représentants précédents qui ont fraudé, hein. Yaya Moussa, nous connaissons aujourd'hui son histoire. Et on nous dit aussi que le représentant aujourd'hui du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville a eu des problèmes de corruption au Sénégal. Vous voyez, chers amis. Donc, au conseil d'administration du FMI, vous devez vous rassurer, hein, vous devez s'astreindre impérativement à la transparence d'informations. Vous voyez. Et vous aussi se rassurer qu'il y ait l'acceptation de la part des créanciers et même des débiteurs sur le montant, la maturité et les conditions générales des prêts soient communiquées. Mais le cas du Congo, il n'y a pas de transparence. Les conditions de maturité de la dette de Sassou avec la Chine n'est pas connue par vous. Vous voyez, les montants ne sont pas connus par vous. Vous voyez. Donc, nous posons la question sur quelle base l'équipe que vous avez envoyée au Congo a eu une entente sur une période de crédit allongé de 3 ans en essayant d'apporter le dossier sur le conseil d'administration du FMI. Sur quelle base? Voyez, chers amis. Oui. Pourquoi vous devez s'abstraindre à impérativement à la transparence, de s'assurer que de l'acceptation de la part des créanciers et des débiteurs sur ce que les montants, la maturité, les conditions générales des prêts soient communiquées. Pourquoi vous devez le faire? C'est à titre de stabilité de ce pays-là.
Le jour où, si vous voyez que le jour où le Congo aura de problèmes, en ce moment-là, il y a des questions qui vont se poser. Ou le jour où il y aura le changement de régime au Congo, il y a des questions qui vont se poser. Vous voyez? Le peuple congolais aujourd'hui veut savoir en fonction de quoi le FMI veut mettre son nez pour dédouaner Sassou Nguesso. En fonction de quoi? Puisque les conditions que vous avez préétablies ne vous apportent pas la transparence que vous exigez. Sassou est allé faire un arrangement interne. Les Chinois ont accepté de jouer une magouille interne avec Sassou. Mais en fait, en réalité, c'est une petite entente d'aménagement. Mais il n'y a pas eu restructuration, en réalité, de la dette. Parce que vous ne connaissez non pas les chiffres. Vous ne connaissez non pas aussi les termes de ces clauses. Puisque les représentants de Sassou, Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Spigas, l'ont dit dans une correspondance qu'ils ont adressée au régime de Sassou, que monsieur, ce qu'on appelle... le directeur de communication du FMI l'a même dit lors de sa conférence de presse. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ce que le peuple congolais est en train de se dire. En fonction de quoi vous allez fourrer votre nez pour essayer de dédouaner Sassou. En fonction de quoi cette équipe du Fonds monétaire international envoyée à Brazzaville va déposer le dossier de Sassou sur le conseil d'administration. Cette équipe s'est basée sur quoi? Quelles sont les données? Vous voyez qu'il y a du flou. Il y a la transparence. Voilà pourquoi le peuple congolais est en train d'exiger une véritable transparence, comme le dit les statuts du FMI, comme le dit le statut de la Banque mondiale, même les statuts du Club de Paris, puisque la CIE ne fait pas partie du Club de Paris. Parce que la transparence n'est pas là. En fonction de quoi? Vous voyez, chers amis? Vous voyez? Donc, il va falloir que le FMI doit regarder la constitution de cet accord. Quand on parle de la constitution, il faut voir la constitution détaillée de cet accord. Donc, tout le dossier au grand complet. Or, pour le moment, la Chine refuse de vous le dire. Vous voyez? En même temps, Sassou est allé signer un accord avec Trafigura, qui est un autre créancier. Mais le contenu n'est pas transmis à cette équipe de FMI. Donc, le conseil d'administration du FMI ne saura pas la totalité des clauses, des contrats que Sassou a fait avec les deux créanciers que nous appelons ici la Chine et Trafigura. Il faut encore réitérer que la Chine ne détient que le 1/3 de la dette de Sassou. Les 2/3 sont détenus par les autres créanciers. On ne peut pas dédouaner Sassou en se basant simplement sur 1/3 de la dette d'un quelconque accord, que vous ne connaissez même pas les clauses. Vous voyez que le FMI doit faire attention sur ce point. Vous voyez que ce projet de restructuration de la dette du pays, le FMI n'est pas capable de dire aujourd'hui de quoi en réalité est constitué cet accord que ça soit signé. Vous voyez? Mais là, nous avons déjà un pré-deal, comme on dit, un pré-accord qui s'est réalisé entre l'équipe du FMI à Brazzaville au Congo et le régime Sassou. Et cette équipe-là prépare un dossier pour transmettre au conseil d'administration. C'est quand même flou. Et là, le FMI sort dans ses cadres, dans ses statuts, dans son éthique de fonctionnement. C'est cela qui est la réalité, dans son éthique de fonctionnement. Et nous voulons que le conseil d'administration tienne compte de cela. Tiennent compte de cela. Comme on le dit aujourd'hui, la Chine n'est pas présente dans le Club de Paris. Et donc ça veut seulement dire que la Chine n'est pas soumise aux obligations que les membres du Club de Paris respectent. Vous voyez? Donc si la Chine n'est pas soumise aux obligations que les membres du Club de Paris ou du Club de Londres ou de tous les créanciers respectent, mais comment allez-vous dédouaner un homme qui va signer un accord flou dont vous ne connaissez même pas les contours? Et votre équipe à Brazzaville se permet de préparer un dossier de déposer au conseil d'administration de FMI. Il y a du flou. Et nous, le peuple congolais, ne voyez pas moi. C'est tout le peuple qui dit, pas question de pouvoir dédouaner un régime en bout du cycle, un régime qui a eu sa chance pour pouvoir évoluer, mais qui a échoué sur tout le plan. Vous voyez? Donc vous voyez que dans ce contexte, la restructuration de la dette du Congo, elle est compliquée.
Elle est compliquée. Et si vous faites affaire à une restructuration de la dette complexe, il ne peut y avoir solution. Donc, le conseil d'administration du FMI ne peut pas venir signer un accord avec le régime Sassou. Et c'est d'ailleurs ce que le peuple congolais dit, que nous aurons besoin du FMI, pas sous le régime des gens qui ont failli, des gens qui ont échoué, aux gens qui ont eu la chance, avec un allègement de la dette en 2010, de plus de 60%, dont nous sommes partis de 119% du PIB à 33% du PIB, mais nous sommes revenus sur le point de départ. Nous ne pouvons pas. Le peuple congolais dit non. Que le conseil d'administration du FMI mette ça dans ses oreilles, dans leur tête, nous disant non, il ne s'agit pas d'aller dédouaner un régime qui est habillé à corrompre le monde entier et que tout un chacun de vous puisse tirer ses commissions au dos du peuple congolais et qu'une dette que le Congo va tirer pendant des décennies, une dette que le peuple n'a jamais profité. Nous voulons qu'il y ait changement de régime pour que des nouvelles têtes viennent négocier, viennent apporter la transparence que vous voulez. C'est cela que nous demandons. Le président Barack Obama l'a dit, que l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas des hommes forts. Au Congo, nous faisons face à un homme fort qui peut corrompre, qui peut détruire, qui peut piller, qui peut voler, qui peut tuer et qui peut négocier au prix de la corruption. Et nous voulons des institutions fortes au Congo. Nous ne voulons plus de cet homme fort-là. Nous voulons dire au FMI, à Mme Christine Lagarde, que trop c'est trop, ça suffit. Nous voulons dire au président Trump, trop c'est trop, ça suffit. Nous voulons dire au président Macron, trop c'est trop, ça suffit. Nous voulons dire au Premier ministre du Canada, M. Trudeau, trop c'est trop, ça suffit. Changeons les modalités. Le peuple du Congo veut le changement complet du régime. Nous voulons balayer cette organisation criminelle qui a utilisé l'État comme un chemin mafieux pour apporter la transparence que vous voulez. La prospérité à notre peuple dépendra de nouvelles stratégies que nous mettrons en place. Donc, nous vous demandons de nous aider dans ce contexte. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas le prêt à Sassou, ça va nous aider de se débarrasser de cet homme. Et en ce moment-là, nous mettrons une nouvelle équipe qui va discuter avec vous sur de nouvelles bases, comment le FMI va venir. Nous ne voulons pas être en contradiction ou en porte-à-faux ou en conflit avec le Fonds monétaire international. Mais nous voulons simplement que vous utilisez le texte. Quand un homme fraude, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas l'aider. Aujourd'hui, si moi je fraudais, aucune banque ne sera capable de me donner un prêt, même un prêt hypothécaire. C'est cela qui est la vérité. Et je verrai toute la justice internationale derrière moi ou la police de mon pays derrière moi parce que j'ai fraudé ou parce que j'ai triché. Mais comment nous faisons affaire à un homme qui a fraudé, qui a triché? Il y a quand même une volonté du FMI de pouvoir sortir cet homme de là. Non, le peuple congolais dit non. Nous voulons le changement de régime, nous voulons complètement déboulonner ce réseau mafieux qui s'est installé au Congo pour piller les biens du peuple. Vous voyez? Voilà, donc, d'autant plus qu'on a eu, nous le savons, que le cas du Congo est placé dans une situation compliquée, une restructuration qui pose véritablement un problème parce que vous avez posé des problèmes de transparence, ce sont les conditions que vous avez posées, les problèmes de transparence. Donc, si j'essaie de citer les critères, hein, vous avez parlé de la situation politique, il faut essayer de désengorger la situation politique, ça n'a jamais été fait. Hein, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est la première condition. Nous voulons parler de la transparence, c'est-à-dire mettre en place un véritable système de transparence, de lutte contre la fraude et la corruption. Là encore, ça n'a pas été fait parce que les criminels, ceux-là qui ont mené le pays à la banqueroute, sont toujours là en liberté, pavanent avec Sassou dans les avions de gauche à droite. Ils sont dans l'équipe. C'est une famille qui a mené le pays dans les abîmes. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que vous allez aider le Congo. Totalement non. Vous allez aider cette famille, ce régime-là. Vous n'allez pas aider le peuple congolais. Parce que tout ce que vous donnerez à Sassou, imaginez, hein, chers amis, les membres du conseil d'administration du Fonds monétaire international, vous devez le savoir que même si aujourd'hui vous donnez à Sassou Nguesso le budget d'État américain, vous ajoutez encore le budget du Canada, vous ajoutez encore le budget de la France, le budget de l'Allemagne, le budget de la Russie, cet homme-là va emmener le Congo à la banqueroute, malgré qu'il a un budget exponentiel. C'est cela qui est la vérité, c'est cela qui est la réalité.
Donc vous pouvez lui donner même le budget américain, il va emmener le Congo à la banqueroute après quelques années. C'est cela qui est la réalité. Donc nous en sommes clairs, le peuple congolais est clair là-dedans. On ne donne pas l'argent aux voleurs. C'est inimaginable. Aucune banque ne peut donner de l'argent à un escroc. Totalement impossible. C'est cela qui est la vérité. Donc, nous savons qu'il y a une espèce de forêt hein, dans cette affaire de dette du Congo. Une affaire de forêt des créanciers. On a une forêt des créanciers. Parce que la transparence n'est pas là. Vous ne connaissez rien. Et là encore, vous avez évalué sur la dette extérieure. La dette intérieure est totalement inconnue. Vous voyez ? Si vous faites affaire à une forêt des créanciers d'un État, comment allez-vous restructurer ce pays-là ? Déjà que ce pays-là est incapable de vous dire la vérité. Donc, non, le peuple congolais dit non à la dette, non auprès du FMI au régime Sassou. Nous le répétons, non à l'argent du FMI au régime Sassou. Ça ne sera pas de l'argent donné au Congo, au régime Sassou et à la famille Sassou. Ça serait un cadeau d'anniversaire que vous allez donner à Sassou. Le peuple congolais dit non. Donc, nous demandons au FMI de faire excessivement attention, au conseil d'administration de faire excessivement attention, même de conduire des audits internes du FMI. Donc, chercher à comprendre comment l'équipe du FMI envoyée au Congo est arrivée à vouloir venir avec un accord sur la table du conseil d'administration du FMI, alors que les conditions exigées n'ont pas été remplies. Donc, quelque part, il y a une magouille interne. Il y a des gens qui veulent toucher forcément des commissions et donc qui veulent brouiller le conseil d'administration du FMI. Nous demandons des audits internes. Et quand les Dominique Strauss-Kahn sont arrivés avec des informations qui disent que le dossier du Congo pourrait être rejeté, ça veut seulement dire qu'il y a des gens à l'intérieur même du FMI sont en train de faire fuiter des informations aux conseillers de Sassou pour que Sassou puisse se rectifier et obtenir de l'argent, pour que Sassou puisse continuer d'avoir des stratégies. Donc il y a une mafia organisée interne que le FMI doit dire au peuple congolais, que le peuple congolais doit chercher à savoir. Lesquels qui veulent toucher des commissions au nom du Congo Brazzaville? That's the truth. On veut savoir ça. Donc nous demandons au FMI de jouer à leurs règles de jeu, de mettre en place leur statut, de jouer... vraiment à l'application de leurs règles, les règles de fonctionnement de FMI. Nous demandons à FMI de le faire. Et sinon, c'est tout le monde qui va perdre. Éventuellement, vous allez perdre. Sassou sera le gagnant et tous les créanciers vont perdre. Mais c'est Sassou et sa famille qui seront les gagnants. Parce que quand le peuple congolais va en réalité se ressaisir, même après 50 ans, après le changement de régime, nos enfants reviendront sur ça, vont dire non, nos aïeux, nos grands-parents, qui sommes nous, avons dit que nous refusons la dette, c'était une magouille, et en ce moment-là, les enfants du Congo amèneront le FMI dans les tribunaux et pourront dire qu'ils ne pourront plus jamais payer. Donc vous voyez que tout le monde sera perdant, mais le seul gagnant sera Sassou et sa famille. Donc, au contraire, vous devez nous aider à se débarrasser de ce régime criminel et dictatorial de Sassou Denis. Voilà, donc nous avons parlé de Ngolo, une pourriture, un parti qu'on travaille aux abois, qui subsiste, il faut protéger le régime. L'unique individu qui doit protéger le pouvoir, c'est Sassou. Tout le monde doit se rassembler autour de Sassou. Nous avons parlé du FMI et nous avons parlé... de l'implication de la France dans le support des crimes de guerre, dans le support du génocidaire Sassou. Et nous voulons que la France aujourd'hui comprenne qu'il est temps de tourner la page, que les États-Unis, que les membres du Congrès, que le Canada, que tous ses partenaires, parce qu'il faut le dire que nous aurons toujours besoin de ses partenaires. Nous aurons besoin de ses partenaires. Nous ne pouvons pas évoluer parce que nous sommes encore à l'étape zéro. Le Congo est à l'étape zéro. Donc le Congo aura besoin de partenaires, mais pour installer ces partenaires, pour que ces partenaires viennent, il va falloir que nous éradiquons la gangrène qui est Sassou Denis,
nous éradiquons le parti qu'on les travaille, qui est un parti nazi, que nous apportons le moratoire de la politique à toute cette pourriture, cette classe politique, incluant les Nzomatias, parce qu'aucun d'eux, tous ceux qui ont mis leurs pieds sales dans le parti qu'on travaille, dans le régime de Sassou, ne peut plus jamais exercer le métier de la politique. C'est cela. Si nous voulons en réalité le véritable changement, parce qu'il faut le dire, pour nous, le principe de la tolérance, zéro doit s'appliquer, et nous allons continuer d'appliquer le système du baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Merci d'avoir suivi le direct de ce soir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Prions et continuons à louer pour le Congo-Brazzaville.